Ok, alors, ici, t'as dit quoi? T'as dit que... On est venu de l'écouter, Mouran, et Torah Lamed Dalet, et Sif Aleph, qui dit « Kherpa Shavra Livo » dans le Tehillim, c'est écrit. « Aïnou, akharafot ou gizinot, shavri livo shel adam. » Vadikoun ou... Aïdei shem e gasher et livo, la nekouda ashayach livo, bed azot. Et ça veut dire quoi, ça s'attachait au point de ton cœur à ce moment-là? En français ou en hébreu? En français. C'est-à-dire qu'il y a des visionnotes ou des kharafot, des humiliations, des kharafot, des trucs durs qui arrivent à la personne, qui risquent de lui briser le cœur. Alors il dit qu'à ce moment-là, il faut se attacher, chez mes cachers, et de l'ibola, qu'il attache son cœur au point qui lui appartient. C'est-à-dire le point dans son cœur qui va être brisé, ce qui va être brisé dans son cœur, il faut qu'il s'attache à ça avec de la force. Et qui ne laisse pas briser à travers le yéhouch ou la tzout. Tu veux dire le point positif, c'est ça ton interprétation? Pas forcément le point positif. Il y a une personne, par exemple, qui a une volonté de se rapprocher de, disons, en général, une personne qui a une grande force de se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, ok? Et à force des humiliations et des khalafot qui reçoit la personne, alors il est, soi-disant, blessé par Hachem. Okay. Alors non. À ce moment-là, il faut l'amchir imatikva, continuer sur la chaîne à ce point de vouloir se rapprocher de Hachem. Donc toi, tu veux dire, Vatikun hu al yedeh shemekashat libo la nekuda shayach le libo ba'et hazot, le désigne il va dire la chavah shor alaf. Toi, tu dis que ça, c'est les nekudot en quelque sorte tovot. Ouais, le bon ratson qui est mechayé son cœur, ou un nekudot tovot. J'ai compris, d'accord, très bien. Il faut s'attacher, ne pas le laisser partir à ce moment-là. Ok, très bien. Et à travers ça, les kharafot, ils sont mis batlim. Ah, très bien, belle interprétation, super, ok, pas de problème. Est-ce que